vais ouvrir l'application Metaverse qui me permettra de scanner un code pour vivre une expérience en réalité augmentée. Voici donc. Je n'écouterai pas la vidéo complète, je vais passer à la scène suivante. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour la suite. L'avion de Lindbergh atterrit sur les plaines d'Abraham vers 18h45, le mardi 24 avril 1928. En mettant pied à terre, il se fit conduire avec son sérum auprès de Bennett, son ami aviateur atteint de pneumonie. C'est au bistrot Le Calvados qu'on a pris une bière ensemble et qu'on s'est rappelé notre expédition au pôle sud. Visitez le bistrot dans la scène suivante. Voici une photo 360 du bistrot Le Calvados en banlieue de Québec à Pont-Rouge. Alors, je passe à la scène suivante. Au cours de notre expédition au pôle sud, une transaction avait mal tourné et mon amitié avec Lindbergh a viré au vinaigre. C'est là que Bennett a été foudroyé par sa pneumonie et qu'il a été transporté d'urgence à Québec. Voici une vidéo en 360 du pôle sud. C'est là que l'accusé du crime de l'Orient Express a rencontré Lindbergh. Juste avant la dernière rencontre avec le père de la victime au bistrot Le Calvados. Une rencontre entre aviateurs, une transaction d'affaires qui avait mal tourné et où Bennett avait été foudroyé par sa pneumonie et transporté d'urgence à Québec. Voici une infographie qui résume le crime de l'Orient Express. Quelques années plus tard, au cours des années 30, les proches de la victime, c'est-à-dire le bébé qui a été enlevé, le bébé des Lindbergh, a décidé de mettre à exécution un plan pour éliminer un assassin qui s'en était sorti impunément.